أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أتوس يا توت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à cette première partie de l'histoire de Youssef Joseph. Et c'est une histoire assez particulière puisque Allah Azza wa Jal va révéler dans un style particulier. Il va révéler même avec des mots particuliers, précis, choisis par Allah, et des mots juste magnifiques pour nous raconter l'histoire d'un enfant. L'histoire d'un enfant qui est le fils d'un prophète, qui va devenir lui-même prophète et qui va devenir le roi, roi d'Égypte. D'habitude, les sourates mekkoises, puisque Sourate Youssef est une sourate mekkoise, d'habitude, subhanallah, les sourates mekkoises, elles viennent mettre en garde ceux qui ont renié Allah, ceux qui s'entêtent et se rebellent. Alors, ici, dans cette histoire mekkoise, subhanallah, dans cette sourate mekkoise, Sourate Youssef, alayhi salam, eh bien, elle est particulière. Pourquoi ? Parce que, eh bien, elle vient raconter une histoire. Au lieu de mettre en garde un peuple contre le châtiment, Allah Azza wa Jal choisit un autre style, celui de raconter une histoire. Et cette sourate a été révélée juste après Sourate Hud, mais aussi, elle a été révélée à l'année de la tristesse, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va perdre son oncle et son épouse Khadija radiallahu anha. Son oncle décède, il n'est pas musulman, mais il a été bienveillant envers lui. Il a été un grand bouclier pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam face aux notables de la Mecque. Khadija a été un soutien pour lui, une épouse, un oncle, des proches qu'il va perdre. Et Allah Azza wa Jal, vous savez, quand on est sur le droit chemin, quand on aime notre Seigneur, quand on craint notre Seigneur, eh bien Allah Azza wa Jal va toujours envoyer quelqu'un ou va te faire comprendre en tout cas que tu restes important et qu'il te soutient et t'accompagne dans ton épreuve. C'est l'histoire d'un prophète véridique qui va être révélé de manière exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que, eh bien, les histoires d'habitude, on les retrouve dans différentes sourates, à différents versets, mais ici, toute une sourate pour raconter l'histoire entière et complète d'un prophète. D'un prophète. Et Allah Azza wa Jal, avec le style qu'il va employer, on ne se lasse pas de la beauté du Coran. Et même les passages, les moments sont intrigants. Qu'est-ce qui va se passer ? Et Allah Azza wa Jal va nous révéler l'épreuve d'un enfant. Son épreuve va commencer alors qu'il a 10 ans. Youssef alayhi salam, eh bien, c'est une sourate, une histoire pour l'humanité entière. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'il a révélé ce Coran en langue arabe. Inna anzalnahu ayatun inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum taqilun. Allah Azza wa Jal nous dit, ba'd a'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, nous l'avons révélé un Coran en langue arabe pour que vous raisonniez. Comme si Allah Azza wa Jal nous dit, n'aie pas honte de qui tu es. C'est-à-dire, si tu es arabe, tu es arabe. N'aie pas honte de tes origines, n'aie pas honte de ta langue, n'aie pas honte de ta religion, n'aie pas honte. Nous allons te raconter une histoire, subhanallah, où on a choisi un enfant, on a choisi un prophète, on a choisi un homme, on a choisi, eh bien, aussi quelqu'un qui va mettre ses services pour le pays et il va être une aide utile pour tout un pays, Youssef alayhi salam. Alors, la langue,
Allah Azzawajal nous dit, c'est la langue arabe. Il nous demande de comprendre et de méditer pour parvenir justement à cette vérité. Qu'est-ce qu'Allah veut nous dire à travers l'histoire de Youssef alayhi salam? Allah Azzawajal nous dit, subhanallah, dans le verset 3, « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas » بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Nous te racontons la meilleure des histoires. En te révélant ce Coran, et même si avant la révélation tu ne connaissais pas cette histoire ainsi que ta communauté. Allah Azza wa Jal nous parle ici de la meilleure des histoires, de la plus belle des histoires, de la plus intrigante des histoires. Il nous dit c'est la meilleure. Ahsan, ahsan al-qasas. Et il nous dit, toi et ta communauté, vous n'étiez pas au courant de cette histoire, nous allons vous la révéler. Une succession d'épreuves, une succession de situations difficiles, des situations parfois qui virent un peu au cauchemar. Et Allah Azza wa Jal nous dit à chaque fois, je vais te soutenir, je vais te soutenir, je vais t'accompagner, regarde ce qui se passe. Et Allah va nous expliquer aussi, subhanallah, que c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une fratrie, c'est l'histoire, peut-être, notre histoire à nous. Allah nous révèle versets 4 et 5. « Idh qala Yusuf li abih, ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. » قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Lorsque Youssef a dit à son père, cher père, j'ai vu en rêve 11 planètes, le soleil et la lune étaient à moi prosternés. Mon enfant, ne raconte pas ton histoire à tes frères. Ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils ruseraient vraiment contre toi pour te faire du mal. Certes, Shaitan est pour l'homme un ennemi très clair. Ici, le début de l'histoire commence comment? Allah Azza wa Jal nous fait démarrer cette histoire avec un rêve. L'enfant qui a à peu près 10 ans, il se nomme Youssef. Il va voir son père en lui disant, tu sais papa, cette nuit, eh bien j'ai fait un rêve et j'ai vu, subhanallah, dans ce rêve 11 planètes et j'ai vu en plus le soleil et la lune et ils étaient prosternés à moi. Yaqub comprend que son enfant va être un futur prophète et il comprend, subhanallah, alors ça c'est le don qu'Allah apporte et offre à certains de ses serviteurs pour comprendre les rêves. Mon enfant, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Ici, Yaqub alayhi salam a compris que, eh bien, ses frères pouvaient être ennemis et pouvaient lui faire du mal. Alors il lui demande de ne pas raconter. Vous voyez, subhanallah, ici, les rêves, on ne les raconte pas à n'importe qui. On ne les raconte pas à des personnes qui peuvent nous jalouser. Et il ajoute, il ruserait vraiment contre toi pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que Shaitan aussi y est pour quelque chose. Et il aime semer la zizanie, il aime semer la discorde, il aime diviser dans la fratrie. Verset 6, Allah Azza wa Jal nous dit « وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ » Et c'est ainsi que ton Seigneur t'a choisi pour lui. Il a choisi Youssef alayhi salam et t'enseigne l'objectif, le sens des propos et des paroles et il te comble par le privilège de la prophétie pour gagner ses faveurs dans cette vie et dans l'au-delà. Je n'ai pas parlé de l'autre partie du verset. J'ai pris juste celle qui nous intéressait dans cette histoire. Allah Azza wa Jal nous dit ici, subhanallah, que Youssef a été choisi par Allah. C'est ainsi que ton Seigneur t'a choisi pour lui. Voyez, et il n'y a pas plus beau pour l'être humain que d'avoir été choisi par Allah.
Peut-être pas la prophétie, mais juste de dire la ilaha illallah, de reconnaître la seigneurie, de reconnaître l'unicité d'Allah et de se soumettre dans toute l'humilité qu'Allah mérite. Et Yaqub vient de comprendre certaines choses de ce rêve. Il vient de comprendre que ses frères étaient susceptibles d'être jaloux, de jalouser leur frère Youssef alayhi salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, demandez de l'aide auprès d'Allah pour réussir vos projets, en restant discret, car toute personne qui possède un bien est jalousée. Ici, dans l'histoire de Youssef alayhi salam, posséder un bien, c'est comme la prophétie. Et vous pouvez être jalousé parce que vous avez un savoir particulier, vous avez un don particulier, vous avez un travail particulier, vous avez un sourire particulier, vous avez une personnalité particulière. Eh bien, toutes ces petites choses, subhanallah, où il manque aux autres ce que vous avez, ça peut susciter la jalousie. D'ailleurs, le Coran s'est terminé avec Al-Hasad. Allah nous dit « Wa min sharri hasidin idha hasad » « Seigneur, protège-nous du mal de celui qui jalouse au moment où il jalouse. » Alors Yaqub a compris que son fils allait arriver au pouvoir. Il le voit à travers ce rêve, et ça c'est quelque chose qu'Allah Azzawajal donne à certains de ses serviteurs. Il comprend aussi que son fils va devenir prophète, donc il va vouloir le protéger d'une manière particulière, et il a aussi compris que son fils allait être éprouvé. Et il le met en garde en lui disant « Fais attention à tes frères ». Ensuite, Allah nous dit le verset 7 « لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفْ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ » Et il y a vraiment dans l'histoire de Youssef et ses frères des preuves et des signes pour ceux qui se posent des questions. Quelles questions on se pose dans la vie? Quelles questions on se pose dans la vie, subhanallah? Eh bien, on peut se poser la question de l'épreuve. On peut se poser la question de la fratrie. On peut se poser la question de la jalousie. On peut se poser la question de la succession des épreuves. On peut se poser la question aussi quand on devient adulte et complet. Quand Allah Azza wa Jal nous donne quelque chose, Allah va lui donner la prophétie, il va lui donner la beauté, il va lui donner la sagesse, il va lui donner en même temps les épreuves aussi. Il est jalousé depuis tout petit et puis il va susciter aussi la séduction et l'envie quand il va grandir et il se retrouve dans le palais. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, il était particulier cet homme. Dès le début, tout petit et tout doucement, subhanallah, eh bien, on va comprendre que quand Allah choisit ses serviteurs, quand Allah aime quelqu'un, eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour lui faire du mal, pour l'envier et pour dire du mal aussi de cette personne, subhanallah. Et parfois, ce n'est pas parce que les autres nous accusent ou c'est pas parce que les autres ont dit du mal de nous que ça fait de nous vraiment une personne mauvaise. Allah Azza wa Jal est venu renforcer notre estime, renforcer notre affirmation de soi, notre confiance en soi, notre acceptation de soi. Et tout ceci, on va le vérifier, on va le méditer dans cette histoire. La forte personnalité de Youssef. Qu'est-ce que la forte personnalité de Youssef alayhi salam? Eh bien, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de le comprendre et de réaliser, subhanallah, le don qu'Allah a donné à chacun. Verset 8, Allah nous dit « Idh qalu la Yusuf » Là, c'est les frères qui parlent. « Idh qala la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin » Et ils ont dit « Subhanallah » Certes, Yusuf et son frère sont vraiment plus aimés dans le cœur de notre père que nous. Alors que nous sommes un groupe, nous sommes nombreux et nous sommes bien forts. Certes, notre père agit injustement dans son comportement. Regardez, subhanallah, le monde visible et le monde invisible. Ce qu'on perçoit à l'œil nu et ce qu'on ne perçoit pas, et c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Allah Azza wa Jalla nous dit, subhanallah, ici, les frères de Youssef, on commençait à réfléchir. N'oublions pas, Allah nous prévient, il nous dit « Shaitan est là ».
Ils ont commencé à cogiter, à se dire, eh bien, comment ça se fait que Youssef et son petit frère Benjamin, comment ça se fait que, eh bien, ils sont préférés à notre père plutôt que nous, alors qu'on est nombreux. Osba veut dire qu'on est plusieurs, c'est-à-dire entre 1 et 10. Osba, c'est comme ça dans la langue arabe. Et ça va être le début de la ruse. Donc, ils voient quelque chose. Ils comprennent quelque chose à leur manière, ils interprètent quelque chose. Vous voyez donc le monde visible et le monde invisible, ce qu'Allah connaît. Eh bien, souvent, subhanallah, les gens vont tomber dans ce piège et ils vont interpréter. Qui leur a dit que Yaqub, alayhi salam, qui était leur père, avait fait de la différence? Hach, c'est un prophète, il n'a fait aucune différence. Il a peut-être un peu plus protégé. Subhanallah, c'est comme un enfant qui a une maladie. Eh bien, quand on voit qu'il faut faire attention à lui et qu'il suscite du temps, et ne serait-ce que le diabète, par exemple, subhanallah, c'est un enfant qui a besoin qu'on l'accompagne plus que les autres. Eh bien, subhanallah, d'autres enfants vont penser que, il y a une préférence. Alors que ça part d'un rêve. Il n'y avait pas de différence. Ça part d'un rêve. Youssef, alayhi salam, raconte. Yaqoub reçoit le rêve. Il lui dit, fais attention, tes frères vont vouloir te faire du mal. Ensuite, Allah azawajal nous dit, ils ont commencé à interpréter. 10 plus Youssef plus Benyamin, ça fait 12 enfants. Ce sont les enfants de Yaqoub, alayhi salam. Shaitan va les accompagner et Allah va être le meilleur des compagnons pour Youssef alayhi salam. Alors, comme si Allah nous mettait en garde dès le début de l'histoire, attention à la jalousie, attention à comment tu interprètes les choses, attention parce que tu as vu quelqu'un avoir plus, avoir mieux, avoir quelque chose qui te manque à toi, ça peut réveiller en toi une maladie du cœur qui s'appelle al-hasad. L'envie. Quand cette maladie est là, al-hasad, on peut faire croire beaucoup de choses aux gens. On va faire du mal aux autres en leur disant, tu sais, un tel est comme ça, un tel est comme ça. Il y a ce qui est caché, l'invisible, et il y a ce qui est visible, les paroles, mais seul Allah maîtrise le monde invisible. C'est une des grandes leçons de sourate Yusuf, alayhi salam, de faire la différence entre ce que je vois, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est mon point de vue? Est-ce que c'est un point de vue sain ou est-ce que c'est un point de vue malsain? Et de toujours laisser cette part à Allah, wallahu a'lam. Mais d'accuser à tort, comme l'ont fait les frères de Youssef, et c'est ce qui va se passer même dans notre communauté. On va dire un tel, on va le diaboliser, on va le juger, on va le stigmatiser. On va vouloir faire du mal à ce moment-là à toute la communauté. Mais hasbunallah wa ni'mal wakil à toute personne malveillante et qui veut faire du mal à une personne en se servant de toute la communauté contre cette personne. Youssef, il est le seul dans cette histoire. Benjamin, Allah n'en parle pas. Il va en parler à la fin. Mais dans toute cette histoire, ils vont s'en prendre que à Youssef alayhi salam. Est-ce que ça fait de Youssef une mauvaise personne? Est-ce que ça fait de Yaqub, prophète, une mauvaise personne? Donc attention. Et encore attention entre ce qu'on voit, ce qui apparaît et ce qui est caché. Après ce rêve raconté au père, le père va être encore plus proche, bien sûr, de son fils. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir le protéger, tout simplement. C'est ce qu'il comprend à travers ce rêve. L'histoire de Youssouf, subhanallah, elle doit rester dans nos cœurs, dans notre quotidien, dans nos épreuves. Et puis, elle va donc annoncer à la communauté la jalousie de la fratrie, la jalousie des nôtres. Alors ici, peut-être c'est la fratrie au sens propre du terme, mais parfois il y a aussi la fratrie au sens figuré, c'est-à-dire le deuxième sens, ça peut être mes frères et sœurs de sang, comme ça peut être mes frères et sœurs dans la communauté. La haine va envahir leur cœur, la haine va prendre le dessus dans leur cœur, et ils vont proposer de tuer Youssef alayhi salam.
Le grand frère va vouloir s'opposer. Non, on ne le tue pas. Regardez, subhanallah, ils veulent tuer leur frère, leur petit frère. Mais quelle rahma ils ont eu. Quelle douceur ils ont eu envers leur petit frère. Quelle cruauté a envahi leur cœur, subhanallah. Se séparer facilement d'un enfant. Voyez la différence? Voyez la différence, subhanallah, entre les grands et le petit? Le grand frère va leur dire non, non, le tuer, ce n'est pas une bonne idée. On va s'en séparer autrement, on va l'éloigner. Et ils ont commencé à réfléchir à un autre stratagème. Et puis, ils se sont dit, si on décide de le tuer, eh bien, ça peut se retourner aussi contre nous. Donc, ils commencent à réfléchir. Allah Azzawajal nous révèle, versets 9 à 12, « Uqtulu Yusuf, awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, wa takunu min ba'dihi qawman salihin, qala qailun minhum, la taqtulu Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jubb, yaltaqithu ba'du s-sayyara, in kuntum fa'ilin, qalu ya abana, ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Tuez Youssouf ou abandonnez-le loin dans une terre pour que votre père ne consacre plus son amour que pour vous. Alors, Allah Azza wa Jalla ajoute, et pour que vous soyez après s'en être débarrassé un peuple bon. L'un d'eux a réagi et a dit, ne tuez pas Youssef et jetez-le plutôt au fin fond du puits. C'est un puits creusé, sans pierre, loin du regard des gens, dans un lieu obscur. Une voiture le ramassera si vous tenez à l'éloigner de son père. Et ils ont répondu, « Cher père, pourquoi tu ne nous laisses pas Youssef, alors que nous, on ne souhaite que l'emmener, se promener, et envoie-le avec nous demain pour qu'on garde le troupeau ensemble et pour qu'on joue, et nous te jurons que nous le protégerons. » Allah Azza wa Jal révèle, subhanallah, le stratagème des frères, tuez-le. Tuez-le ou abandonnez Youssef loin de son père. C'est-à-dire qu'on va le prendre et on va l'emmener très loin pour l'éloigner et que notre père puisse nous aimer, nous, au lieu de l'aimer lui. Oui, c'est une question d'amour, subhanallah. Même dans la fratrie, on ne supporte pas qu'un parent aime plus un autre enfant qu'un autre. Alors, ils vont diverger pour que votre père ne consacre son amour que pour nous, que pour vous. Donc, ici, il ne cherchait que l'amour. Ce n'est pas une question d'héritage, mais juste une question d'être aimé plus que lui. Alors, Allah ajoute, et pour que vous soyez après, sans être débarrassé, un peuple bon. Ici, entre eux, subhanallah, ils pensent qu'après s'être débarrassés, après avoir emmené loin Youssef du regard de son père, pour qu'on soit bon. Ils pensaient qu'ils allaient continuer à être bons. Allah Azza wa Jal nous dit, « Min ba'dihi wa takunu min ba'di qawman salihin » Vous serez excellents. Vous serez un peuple qui va œuvrer dans la bonne action. Regardez, subhanallah, le leur. Regardez la pensée négative. Regardez l'erreur dans laquelle ils se sont jetés. C'est-à-dire, notre père, il est comme ça. Ensuite, vous serez un peuple bon après avoir commis cet acte. Shaitan, parfois, nous emmène très loin dans nos pensées. L'un d'eux a réagi en disant, « Ne tuez pas Youssef. » Mais plutôt, jetez-le au fin fond d'un puits. Rayebet il djoub, c'est le fin fond du puits. C'est-à-dire, emmenez-le vraiment au fond du puits.
Et bien sûr, c'était un puits creusé sans pierre avec le seul but de le jeter et qu'il y reste au fond. Loin du regard des gens, dans un lieu obscur. Même là, ils ont choisi le puits. Même là, ils ont voulu, subhanallah, personne ne le trouve. Une voiture le ramassera. Uniquement quelqu'un qui sera de passage et qui pourra le récupérer. Oui, subhanallah, ils ont voulu ruser et Allah a contourné la ruse. Ils ont voulu le tuer au début et Allah va contourner la ruse. Une voiture qui va le ramasser si vous tenez à l'éloigner de son père. Si vous voulez aller jusqu'au bout, au moins choisissez un puits, une caravane va le récupérer. Mais pour qu'une caravane passe, c'est pas demain la veille. Ils ont dit, cher père, pourquoi tu ne nous laisses pas Youssef? Qu'est-ce qui se passe? Chez Yaqub alayhi salam, l'intuition. Il a compris qu'ils veulent maintenant passer à l'acte. Ils veulent lui faire du mal. Ils veulent s'en prendre à Youssef. Alors qu'on l'aime. Ils disent à leur père, alors qu'on l'aime, alors confie-nous, Youssef. Et ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien du tout. Et envoie-le avec nous demain pour qu'on garde le troupeau ensemble et pour qu'on joue avec lui. Et nous le protégerons. Nous te jurons qu'on le protégera. Allah Azzawajal nous dit, subhanallah, qu'ils ont montré un certain visage à leur père. Mais Yaqub alayhi salam, un homme très proche d'Allah, un prophète, eh bien, vous savez, quand on a la foi, quand on a un cœur pur, Allah nous permet de voir des choses et de comprendre des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Eux se sont entêtés à faire du mal. Yaqub alayhi salam, il était tout seul. Que pouvait-il faire seul contre des hommes, contre des jeunes hommes qui voulaient tuer leur frère, leur propre frère? Ils ne pouvaient rien faire. Alors, subhanallah, ils décident de l'emmener loin de leur père, loin de l'amour de ce père qui aimait et qui a aimé juste son enfant, Youssef, alayhi salam, alors que il ne cherchait pas à faire de la différence entre ses enfants. Et Allah Azzawajal va nous révéler les versets 13 et 14. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun. Il dit, cela m'attriste vraiment que vous l'emmeniez avec vous. Et j'ai peur que le loup ne le mange dans un moment d'inattention de votre part. Allah Azzawajal ajoute, ils ont dit, si le loup le mange alors qu'on est plusieurs, c'est qu'on ne sait pas le protéger, qu'on ne sait pas protéger notre troupeau contre le loup. Donc, Allah Azzawajal ici nous fait part du pressentiment de Yaqub alayhi salam. Ça m'attriste vraiment que vous l'emmeniez. Je me sens triste. Vous voyez, subhanallah, il n'a pas osé leur dire, je sais ce que vous allez lui faire du mal. Il leur met en avant sa tristesse à lui. Ça me fait du mal. Je suis déjà triste que vous le preniez avec vous. Et j'ai peur que le loup ne le mange. Ici, le loup, ça n'est pas le loup au sens propre. C'est le loup de la jalousie. C'est le loup de Shaitan. C'est le loup que, eh bien, de la haine, c'est-à-dire que les frères, le groupe devient un loup. Il ne dit pas la meute de loup, il dit le loup. Le loup, ici, on peut le comprendre au sens propre et au sens figuré, subhanallah. Mais ici, eh bien, c'est surtout au sens figuré. J'ai peur que la rage d'un loup, la haine d'un loup, le côté diabolique d'un loup, Shaitan est là et la haine est là. Et j'ai peur que le loup ne le mange dans un moment d'inattention. Il a pressenti, il a compris, il a eu cette intuition
Et puis, Allah Azzawajal ajoute, ils lui ont répondu, si le loup ne le mange, alors qu'on est plusieurs, on est fort, on est un groupe, c'est qu'on ne sait pas protéger notre troupeau contre le loup. Tu nous dis d'emmener le troupeau à chaque fois, on emmène le troupeau, on s'occupe du troupeau, on est des bergers. Ça veut dire que le troupeau, si tu as peur, on n'arrivera jamais à protéger ce troupeau. On n'est pas de bons bergers. Voyez la mana que le père met en avant et regardez la réponse des 10 frères accompagnés de Shaitan. Ils ne cherchaient qu'à tromper leur père et à arriver à leur fin, séparer le père de son fils, le fils de son père, et ils vont aller jusqu'au bout, et ils vont le jeter dans un puits, ils vont mettre un terme ainsi, le séparer ainsi, et Allah Azzawajal va se charger du reste. La suite, demain, Inch'Allah, je sais que ça commence à être intriguant, ça commence à donner envie de connaître la suite. Mais regardez juste le début. Sourate Yusuf, l'histoire de Yusuf, c'est une histoire à raconter, certes, mais c'est une histoire, subhanallah, pleine de sagesse. C'est surtout les sagesses qu'on va en tirer qu'il faut retenir. On retient quoi? On retient que ça part d'une annonce qu'Allah fait à cet enfant. C'est un enfant, il a à peu près 10 ans. Le père qui est prophète comprend le rêve de son fils puisque les prophètes comprennent les rêves. Et ensuite, il le met en garde. Il lui dit, fais attention, ne raconte pas. Mais les frères vont s'entêter parce qu'ils sont dans l'apparence, une apparence trompeuse où ils pensent que le père a privilégié un de ses enfants. Alors ils vont lui faire du mal, ils vont s'entêter, ils vont ruser, ils vont s'acharner contre lui, ils vont comploter, faire du mal à Youssef parce que Youssef dérange, c'est comme ça qu'ils ont interprété les choses. Nous avons un père face à plusieurs enfants, il n'a pas pu les arrêter, il n'a pas pu les affronter. Et on verra, Inch'Allah, demain. La réaction de Yaqub alayhi salam, il a eu une réaction au début de l'histoire et il va avoir une autre réaction à la fin de l'histoire. Ce sont des histoires pour qu'on médite, pour qu'on en tire des leçons. Allah Azzawajal raconte ces magnifiques histoires pour une magnifique communauté, pour qu'on puisse rester sur le droit chemin et ne pas tomber dans les ruses de Shaitan, ne pas tomber aussi dans les maladies du cœur. C'est ce qui parfois touche notre communauté. Qu'Allah nous en protège et qu'il nous permette de rester parmi les meilleurs serviteurs et les meilleurs alliés de cette belle communauté. Barakallahu fikum.